Bienvenue à tous dans ce journal de 20h sur Gabon News. Voici les titres. Rencontre de travail ce vendredi à Libreville entre le président du Conseil économique et social du Gabon et celui du Niger. Au centre de cette réunion, la signature du protocole d'accord entre les deux institutions pour une meilleure coopération. Dans l'actualité également, cette nomination du nouveau coach des Panthères du Gabon qui continue de faire du bruit à Libreville, un choix tant approuvé que désapprouvé par plusieurs Gabonais, les raisons et attentes des populations dans ce journal. On le disait tantôt, rencontre ce vendredi à Libreville entre Paul Biya Gemba et Moussa Moumouni Djermakoy, respectivement président du Conseil économique et social du Gabon et du Niger. Il était question pour les présidents de ces institutions de signer un protocole d'accord, une signature qui marque la coopération économique, sociale et de formation de ces deux pays du sud du Sahara. Le compte-rendu de Marcel Tsonga sous les images de Refus Tsonga. Il sonne 11h lorsque le cortège du président du Conseil économique et social du Niger arrive à Libreville, dans l'enceinte du Conseil économique et social. Ici, il est accueilli chaleureusement par son homologue gabonais. Quelques salutations d'usage et signature du protocole d'accord à la satisfaction des deux parties. Je me félicite particulièrement. Cette cérémonie de signature traduit les volontés notre volonté commune de promouvoir des échanges de coopération à la fois divers et variés dans l'optique de faire le Gabon et le Niger deux pays véritablement émergents. Voilà qui, pour le président du Conseil économique et social du Gabon, va permettre de redynamiser la coopération entre les deux pays dont les échanges ont été toujours harmonieux. Bien, il y a d'abord des échanges d'expérience entre nos deux institutions, des possibilités de formation des membres des deux conseils, formation des personnels des deux conseils sur tous les plans, tenue des séances, rédaction administrative, sur le plan naturellement institutionnel, le renforcement des capacités au niveau institutionnel, amélioration des procédures de travail au sein de nos deux institutions. Moussa Moumouni Djermakoy a rappelé à des fins utiles combien les relations entre le Gabon et le Niger sont empreintes d'une singulière exemplarité, caractérisée par une coopération très ancienne et des rapports privilégiés entretenus par les chefs d'État Ali Bongo Ondimba et Youssoufou Mamadou. Restons toujours dans le cadre de cette signature de protocole où Paul Biya Gemba a décerné deux médailles en élevant son homologue nigérien et son secrétaire général respectivement au rang de la médaille d'or et d'argent. Une satisfaction pour le président du CES du Niger. Le point avec Cornelia Soka, Marcel Tsonga et Refus Tsonga. Paul Biya Gemba a décoré de la médaille d'or du Conseil économique et social du Gabon son homologue nigérien. Une décoration qui s'est faite en marge de la signature d'un protocole d'accord entre le Gabon et le Niger. Quand on prend la décision d'élever une personnalité à ce niveau, ça souligne toute la considération, tout le respect que l'on confère à cette personne physique ou personne morale. Et le Conseil économique et social du Gabon éprouve pour le Conseil économique et social du Niger et particulièrement pour le président du Conseil économique et social, M. Djermakoy, toute la considération, tout le respect qu'il faut. Et c'est pour cela que nous avons décidé de l'élever à ce rang, ainsi que le secrétaire général du Conseil économique et social du Niger. À travers cette décoration, le Gabon veut redynamiser les relations qui lient les deux pays. Un geste qui n'a pas laissé de marbre pour Moussa Moumouni Djermakoy. C'est une joie. Je suis profondément touché. Et comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, tout ce que cette cérémonie a comporté d'imposant et d'émouvant, encore une fois, je suis profondément touché. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires des deux pays amis. Le membre du bureau politique du PDG, Vincent de Paul Ngondjou, a rencontré les membres des trois fédérations du premier siège du 3e arrondissement pour un bilan de la dernière opération de sensibilisation et de renouvellement des structures de base.
une opération qui a permis de se rendre compte de l'état d'esprit des militants et de la mobilisation de ces derniers. C'est un reportage de Samperonba sous les images de Justin Bitégué. Cette rencontre des trois fédérations du premier siège du 3e arrondissement était l'occasion de faire un compte-rendu de l'opération de renouvellement des structures de base, selon ce qu'avait demandé la hiérarchie du parti dans une note d'intention. La date butoir du 30 juin étant dépassée, le membre du bureau politique Vincent de Polungonjo a tiré avec les siens les leçons de la dite opération. Il était tout à fait opportun que ce soir nous retrouvons avec l'ensemble des trois fédérations pour faire le rendu du travail qui a été fait sur le terrain par l'ensemble des sections des trois fédérations de notre siège. Le PDG se porte visiblement bien dans cette circonscription, en témoignent les adhésions, les mobilisations et l'engagement des militants. Le parti se porte très bien dans le premier siège du 3e arrondissement, au vu de l'engouement, au vu de la mobilisation de l'ensemble des comités, et également au vu de l'adhésion de nouveaux militants au sein des trois structures de base de notre siège. À 2 ans de la présidentielle, cette bonne santé du parti dans le 3e arrondissement est de bon augure. Il faut a priori maintenir le rythme de travail actuel. Je pense que pour un parti comme le nôtre, nous devons conserver le pouvoir. Et le conserver le pouvoir, il faut que nos militants soient prêts pour répondre favorablement aux différentes échéances, également pour défendre la politique du parti sur le terrain. La réunion qui s'est tenue au QG du membre du bureau politique a permis aux trois fédérations d'affirmer leur volonté d'aller de l'avant ensemble. De la religion dans ce journal, après une journée de jeûne, dès 18h, les musulmans s'activent dans les mosquées pour la rupture de celui-ci qui les a privés d'eau et de nourriture durant toute une journée. Nos reporters étaient dans une mosquée de la place pour les voir rompre cette privation. Reportage de Kenyongori. Le soleil s'étant couché sur la capitale gabonaise, les musulmans retrouvent le chemin des mosquées pour la rupture du jeûne. Il est 18h30 précise, l'azan, autrement dit l'appel à la prière, vient mettre fin à une longue journée pour les fidèles. Devant soi, quelques fruits, de l'eau, du pain ou des dattes particulièrement. Et une formule pour remercier Allah pour cette nouvelle journée de Ramadan qui s'achève. Allahumma laka sumna wa ala rizq aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dieu, nous avons jeûné pour toi et donc de nous accepter ce jeûne et on coupe aussi pour toi. Après s'être abstenu de boire et de manger pendant une journée au coucher du soleil, les musulmans peuvent désormais s'abreuver avant la prière de Maghrib, celle dite du coucher du soleil. L'actualité sportive à présent, après la nomination de Jorge Costa au poste de sélectionneur des Panthères du Gabon, de nombreuses questions se posent autour du profil du nouveau patron 11 gabonais. Le service des sports de Gabon News a donc tendu son micro à quelques spécialistes afin de recueillir leurs avis sur l'homme. Reportage de Marvin Berry. Le premier vrai challenge en tant que coach est attendu au pied du mur. Il n'était pas parmi les premiers choix de la commission. Son nom n'était même pas pressenti pour entraîner le Gabon. Qu'est-ce que vous voulez? Le Gabon fonctionne comme ça et il faut s'y habituer. Moi, je le connaissais en tant que joueur. Il a fait sa petite carrière d'entraîneur au Portugal, semble-t-il. Il n'a jamais eu d'expérience africaine. On me dira que les autres Jires et autres n'avaient pas d'expérience africaine, mais ont quand même essayé de faire quelque chose. Moi, je retiens tout simplement que c'est un amateur du football africain qui arrive. Maintenant, on espère qu'il pourra, pourquoi pas, faire rêver les Gabonais. C'est tout ce que les Gabonais attendent. Il sera également question de laisser au nouveau sélectionneur la possibilité d'accomplir ses missions en toute quiétude. J'espère que la Fédération gabonaise de football et le ministère des Sports mettront à la disposition de ce nouveau sélectionneur tous les moyens dont il aura besoin pour qu'il puisse accomplir ses missions. La principale, déjà, à court terme, c'est la qualification pour la CAN 2015. Ensuite, il faut pouvoir rêver
et penser à la Coupe du Monde la prochaine en 2018. Ce choix est-il le meilleur cette fois-ci? L'avenir nous le dira à la suite des résultats du technicien portugais qui compte atteindre ses objectifs. Hormis les journalistes, les populations étaient également inquiètes de voir l'équipe nationale sans sélectionneur. Ravis aujourd'hui d'apprendre la nomination de ce nouveau coach, elles réagissent dans ce reportage de Marvin Beryl sous les images de Refit Soguer. Heureuse de savoir que les Panthères du Gabon ont enfin un nouveau coach après une si longue attente, la population gabonaise a de nouveau espoir et espère que ce nouvel entraîneur fera mieux que ses prédécesseurs. Il faudrait que l'entraîneur qui va arriver, hein, qui aura en charge de prendre les Panthères, hein, on aimerait qu'il fasse le même travail qu'Alain Giresse a eu à faire dans les Panthères. Parce que les Panthères qui ont joué la CAN là, ça c'est le travail d'Alain Giresse. Vous comprenez? Donc on aimerait un entraîneur qui va venir comme ça, qui va commencer, qui va faire un travail de fond. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que c'est à partir du travail de fond, hein, qu'il y a un résultat. Elle a également des suggestions à l'endroit des autorités sportives qui, pour certains, ne laissent pas aux différents sélectionneurs passés dans cette équipe la possibilité de faire leur propre choix. Il a signé au coach deux objectifs. Qualifier l'équipe pour la CAN 2015 et qualifier l'équipe pour le Mondial 2018. Et pour qu'il puisse arriver à cela, il faudrait déjà qu'on puisse lui donner les moyens. Ces moyens ne sont pas des moyens financiers, c'est des moyens en lui donnant les mains libres, en le laissant faire ses choix. C'est-à-dire que c'est les joueurs qu'il pourra utiliser, que ces joueurs puissent être les joueurs que lui-même va sélectionner. C'est peut-être là une nouvelle histoire qui s'écrit pour les Panthères du Gabon et pour le football gabonais. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur Gabon News. À très bientôt. Au revoir.